Bonsoir à tous les signes de poisson. Alors, votre tirage pour l'avenir, une nouvelle ouverture dans une relation nouveau. Vraiment, vous commencez à sortir un mystère. Les poissons, les changements pour vous, c'est positif. Alors, prenez un soin de vous aussi, les poissons. Parfois, vous doutez de vous, vous doutez de votre intuition, vous êtes beaucoup fort à l'intuition, écoutez-vous. Alors, les conseils pour vous, j'utilise les tarots, les tarots de Marseille, et ce tarot aussi, tarot d'Égypte, et les cartes que j'utilise, c'est les anges et l'oracle de vie intérieure, et un oracle pour l'amour après. Au revoir, les poissons, votre tirage pour l'avenir. La route fortune, c'est la nouvelle cycle pour vous. Ah, les diables, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Oh là là, les blocages. C'est comme votre destin qui est bloqué par une énergie négative, par une personne négative, par une situation négative. Ouais, c'est la force, vous êtes la force, le courage de sortir de cette difficulté. Si vous êtes soit professionnel bloqué, soit maladie psychique, physique, dans le couple, on verra avec cette parole. Ça va éclairer les choses, les désirs, l'amour. L'amour, soit si vous êtes avec une personne très, très autoritaire, ou soit quelqu'un négatif pour vous, vous sentez bloqué. Ou soit c'est une personne vraiment. Il y a une rupture avec un peu. Alors, la carte de diable et la maison de Dieu, c'est une rupture avec une personne négative. Ou une situation négative. Oh là là, ça sortait trois. Je ne sais pas si je prends ces trois. Qu'est-ce qu'ils sont parlé, les trois? À la solitude. Il est tombé seul. Hein? Je ne suis pas pris. Alors, les solitudes, c'est quelqu'un qui est. Un blocage à cause d'un blocage sentimental dû à une personne très négative qu'elle bloque votre vie. C'est quelqu'un qui ne vous laisse pas partir, il sait tout faire pour vous garder. Soit c'est à une personne qui n'est pas libre, qui est mariée, qui veut vous comme une maîtresse, ou soit c'est une relation très toxique. C'est quelqu'un qui doit couper avec cette personne. Cette personne, il n'est pas bon pour vous. Et je vois, c'est quelqu'un qui bloque, qui ne veut pas vous trouver une liberté. Ou soit c'est une personne que vous coupez avec une personne. Et si vous êtes resté beaucoup la solitude à cause d'une relation de passé, vous sortez peut-être cette solitude. À cause d'une tierce personne, un rival, à une personne de votre entourage, soit une jalousie, soit un ex qui bloque, vous êtes malade psychique à cause de cette relation de passé qui a une personne qu'elle veut pas les bien pour vous. Mais je vois, vous êtes la force, le courage, vous commencez à maîtriser les choses. Il y a une nouvelle essence pour vous, sentimentale ou relationnelle. Vous quittez, si vous êtes avec un travail négatif, avec les gens négatifs, ou soit un travail, il n'est pas bien, vous changez peut-être, même professionnel. Si vous êtes avec les collègues négatifs ou les gens qui sont pas bien pour vous, vous coupez avec ces gens. Je vois aussi les gens qui déménagent, qui changent les lieux.
Et pour vous, c'est une nouvelle naissance. Vous quittez une relation très toxique. Pour moi, j'ai une personne toxique. Il n'est pas quelqu'un bien pour vous. Voilà. La carte. L'amour, non partagé. Cet amour, il n'est pas partagé avec cette personne. Vous sentez avec quelqu'un que vous. Soit si vous êtes vivre avec cette personne, vous sentez pas les mêmes sentiments. Cette personne qui n'a pas l'amour partagé avec vous. Et vous sentez toujours les manques. Les manques, il n'y a pas de l'amour assez pour continuer cette relation. Excusez-moi. Quel est votre souhait? Vous faites faire une vue. Fermez les yeux. Vous souhaitez quelque chose parce qu'elle a sorti la carte de vue. Si vous voulez trouver un nouvel amour, si vous êtes envie à marier avec quelqu'un, vous souhaitez faire une vue. Parce que pour moi, votre souhait, ça va réaliser. Marier, engager avec quelqu'un, vous trouvez un partenaire idéal, faire un souhait. Parce que vous quittez une personne négative ou une relation négative, toxique, qui vous êtes resté beaucoup d'années seul, aussi peut-être beaucoup de gens qui sont restés seuls, qui sont peur d'engager ou peur de confiance à l'amour, qui sont restés beaucoup seuls, ou soit il y a une personne de votre entourage, soit un ex, un rebelle, une personne peut-être il n'était pas libre, il est marié, quelqu'un qui est avec vous seulement parce qu'il veut côté sexualité et tout avec vous, mais vous sentez pas l'amour partagé avec cette personne. Pour moi, c'est vous couper avec cette personne. Si vous souhaitez une vue, ça va réaliser. Si vous cherchez l'homme, la femme idéale, vous trouvez. Alors, il y a beaucoup de signes. Univers, qu'elle voit les signes et un changement pour vous. Demandez un signe. Pour ça, les suites, les souhaits que vous voulez faire ou les vues que vous faites, c'est comme une demande univers qu'elle vous aide à trouver la personne bien pour vous, soit professionnelle ou soit sentimentale. Et je vois quelque chose pour vous nouveau, un nouvel départ. Vraiment un nouvel départ pour vous, avec quelqu'un d'autre, soit un souhait réalisé. Si vous êtes avec quelqu'un que vous voulez marier. Alors, la carte pour les célibataires, je voulais savoir avec cette personne. Ah, les célibataires, vous trouvez le plaisir, vous trouvez l'amour, vous partagez avec quelqu'un, vous trouvez votre plaisir, vous trouvez une personne bien. Alors, les couples. Ah, les couples qui sont besoin vraiment prenez soin de vous. D'abord, parce que le couple, peut-être une personne qu'elle donne beaucoup son couple et qu'elle a oublié vous-même. Alors, besoin, prenez soin de vous. Peut-être aller coiffeur, faire une nouvelle coupe, faire soin, quelque chose qui doit faire changer peut-être leur robe, changer. Le look, changer quelque chose. Il y a quelque chose que vous faites quelque chose de différent. Vous prenez votre laitot pour soigner, aller au coiffeur, faire une soie, faire changer le look, changer quelque chose bien, en fait, les beautés, soit un homme, soit une femme. Commencez peut-être faire le sport. Vous prenez soin de vous, le couple. Alors ça demande dans le couple quelqu'un qui l'a oublié lui-même ou elle-même. Alors c'est voir pour les gens qui sont séparés. Il y a quelqu'un qui le tente, il a beaucoup de désirs,
Quelqu'un qui porte les masques, il y a les choses commencent claires. Il y a une nouvelle de quelqu'un qui était loin de vous, qu'elle désire un contact ou une communication claire avec vous, ou un rendez-vous avec vous. Voilà les poissons. Merci beaucoup. Si vous l'aimez, partagez, abonnez-vous.